Et pour le dessert, une petite tarte aux fraises maison. Bon appétit. Odile, vous êtes vraiment la championne des tartes aux fraises. Ouais, j'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Oh, oh, oh. Merci les enfants. Mais c'est surtout la nature qu'il faut féliciter. Elle est si généreuse, si accueillante, si... Si gourmande, oui. Allez, Oust, c'est pas pour les insectes le bon gâteau. Oh, la vilaine bête, elle m'a mordu. Odile a raison. Merci pour ta générosité, Flapacha. Squeak, toi tu as de la tarte tous les jours, pas le Flapacha. Vous avez entendu ça, Hippolyte? Rassurez-vous, Odile, j'ai toujours mon spray anti-ours sur moi. On dirait qu'on n'est pas les seuls à apprécier les tartes d'Odile. Une matinée exceptionnelle pour aller ramasser des fraises dans ma réserve personnelle. Pour vous, Jean Odile, cueilli au péril de ma vie. Oh, oh, merci, Sir Hippolyte. Je vais pouvoir vous préparer plein de bonnes tartes. Oh non! Mes jolies petites fraises! Tiens, c'est bizarre. Hippolyte aurait dû nous réveiller depuis longtemps. J'espère qu'on n'a pas raté le petit-déj. J'ai trop faim. Bon, on dirait que tu n'es pas le seul. Et quelque chose me dit que le Flapacha ne sait pas faire les tartes. Et qu'il n'est pas très fort en dessin non plus. Les enfants, c'est vous qui avez ramassé tout ça? Bah oui, votre tarte, elle était tellement bonne. On s'est dit qu'il fallait absolument en refaire une autre. Ils ont osé. La main dans le sac, c'est vous qui avez pillé la forêt. Hippolyte, en grand gourmand. Oh, vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Merci Odile. J'y crois pas. Ils vont se manger la tarte en douce dans la forêt. Flapacha, on a une surprise pour toi. Je vois déjà le scoop. Le Flapacha raffole des tartes d'Odile. Tu crois vraiment qu'il va se montrer tant qu'on restera ici? Allez Zou, on le laisse manger tranquille. Sois patient. Je suis sûre que la prochaine fois, il se laissera approcher. Qui se laissera approcher? C'était pour qui, la tarte? Pour personne. C'est nous. On a tout mangé. Bizarre. Vous ne sentez pas la fraise? Pas de moustache de confiture? Pas de miettes? Votre compte est bon. Odile? J'ai la preuve que les enfants nourrissent une bête sauvage en cachette. C'est pas très prudent, les enfants. Elle aurait pu vous blesser. Sans compter que maintenant, cette bête doit rôder autour du camp à la recherche de nourriture. Mais c'est ça! Il suffit d'attirer cette bête au plus profond de la forêt. Nous comptons sur vous, Hippolyte. Mais c'est que c'est un peu dangereux quand même. Cette tarte fera un appât idéal. Très bien, je pars sur le champ. En attendant, interdiction d'aller en forêt. La sécurité des enfants avant tout. Oh, Hippolyte.
On ne va quand même pas gâcher une si bonne tarte en la donnant à manger à une bête sauvage. Au revoir, succulente petite tarte. Dis donc, voleur, tu vas me rendre ça immédiatement. Et puis quoi encore? Tiens, pour la peine. Oh, la bonne tatarte! Dommage que tu puisses pas en manger, c'est tellement délicieux. Et c'est pour qui le dernier morceau? Eh bien, c'est pour moi! Squeak, reviens, c'était pour rire. Tu vas quand même pas laisser tonton Hippolyte comme ça. J'essaye de dormir. Si on ne fait rien, Hippolyte va finir par attraper le Flapacha. On doit le prévenir. On sait jamais. D'accord. C'est le Flapacha? Ça m'étonnerait. Et s'il y avait vraiment une bête sauvage? Est venue dans le camp. Elle a farfouillé dans la poubelle. Chut! Pas du tout. Elle a dû se renverser toute seule. Voilà qui est inquiétant. Et Hippolyte qui n'est pas revenu. Il faudrait peut-être partir à sa recherche. Vous avez raison, Annette. Je vous confie le camp pendant mon absence. Squeak? Mais où t'étais passé? Et tu l'as laissé dans ce trou? Peut-être, mais c'est pas une raison. Il y a une bête dans la forêt. Ouais, le Flapacha, c'est pas vraiment un scoop. Hein. Non, pas lui. Une autre bête. Elle faisait au moins 2 mètres. Avec les yeux rouges. Et une corne à la place du nez. C'était peut-être une licorne? Non, rien à voir. Fais voir ton appareil. Mais t'es bête, c'est... C'est Hippolyte. Faut la mettre sur internet. Elle va faire le tour du monde. Ça sent le Flapacha, cette histoire. Si Odile trouve Hippolyte dans cet état, c'est le désastre. Il faut qu'on la rattrape. Et comment tu veux qu'on s'en aille du camp? Il y a Annette qui nous surveille. Hippolyte! Vous êtes là? C'est d'un ringard. T'as de la chance, toi. T'es pas obligé de porter un pantalon. On est tous serrés là-dedans. J'ai l'impression d'être une momie. Hippolyte? C'est nous, Lisa et Matt. Vous vous rappelez? Il a pas l'air. On peut pas le laisser comme ça. Hé, sage, sage.
s'il vous plaît. Hippolyte ne mérite pas ça. Il est juste gourmand, c'est tout. Couchez-le, Hippolyte. Couchez. C'est passé. Vous voulez ma photo ou quoi? Odile, vous allez bien? Dites quelque chose. Hippolyte, oh, je me suis tellement fait de soucis pour vous. Et la bête, où est-elle? Hippolyte l'a fait fuir. Elle ne risque pas de revenir. Vous auriez dû voir ça. Il a assuré comme une bête. Ah bon? Je veux dire, c'est vrai. Sans mon sang-froid et mon courage, ça aurait pu très mal finir. Hippolyte, vous nous avez sauvé la vie. Oh, oh, Odile, vous exagérez. Où t'as trouvé ça, petit gourmand?